tu meurs. Je ne crois pas que je pleure. Non, je n'y crois pas. Je ne crois pas que tu t'en vas. Dans ce cercueil seul et froid. Non, je n'y crois pas. Car je crois que tu es là. Que tu marches auprès de moi. Oui, ça j'y crois. Et je crois bien que tu restes à côté dans l'autre pièce. Oui, ça j'y crois. Je ne crois pas à l'enfer de te voir là sous la terre. Non, je n'y crois pas. Respecter les instructions que tu as prévues pour nous, tes quatre enfants. Merci papa de ton amour, de tes conseils. Je retiens de mon oncle que c'était quelqu'un d'éduqué, quelqu'un de famille aussi, quelqu'un de très éloquent et qui encourageait beaucoup la culture en fait, la connaissance. Bon, je pense que c'est ce que je retiens de lui et je souhaite que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Je parle au nom de Jean-Philippe et Francisca. Je pense qu'on n'a pas suffisamment de mots pour exprimer tout notre amour et toute notre reconnaissance envers Tonton Richard et ce qu'il représentait pour la famille. Voilà. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que nous avons partagé avec toi, avec Tata Cécile, avec Christian, Mimi, Paul-Édith, Président, Francisca, Jean-Philippe, Henri-Joël et moi. Voilà. Merci pour tout, tu restes à jamais gravé dans nos cœurs. Cette nouvelle absence, quelle violence, quelle déchirure et blessure immense. Pourrais-je donner un sens à l'insensé? J'ai eu la grâce d'avoir un frère très attachant, très responsable, très aimant, qui aimait l'excellence et l'honneur du nom de la famille Nguel Ntimba que nous portons. Toutes les prières que je vais dire tous les jours l'accompagneront rejoindre papa, maman. Et je lui dis vraiment merci, merci, merci mon frère. Je t'aime à jamais, à jamais, à jamais. Et je dois te dire au revoir. Je peux dire aujourd'hui où nous l'accompagnons en sa dernière heure, que c'est Richard qui a été à l'initiative de mon projet de construction du maison au village. Richard était d'une intelligence exceptionnelle. Dans sa génération, je pense qu'il était l'un des plus brillants, mais d'une extrême modestie, modestie dans tous les domaines de la vie, d'une sobriété qui nous a énormément marqués. Richard,
va repose en paix. Ta famille, tes enfants, Cécile, ton épouse, tes frères et sœurs, qui sont mes frères aussi. Nous allons être là. Nous allons continuer à prier. Tu resteras jamais dans nos cœurs. Nous serons plus grands de ta voix. Je suis un ami de longue date de M. Ntimba Richard. Nous sommes arrivés en 6e en 1966 et nous avons cheminé. Nous avons obtenu notre baccalauréat à Liberman en 1973. Ensuite, nous sommes allés à la faculté de droit et des sciences économiques de Yaoundé. Nous avons obtenu la licence ensemble. Le plus difficile, vous allez excuser l'émotion, Richard était plus qu'un frère pour moi. Je me souviens encore quand il prenait ma cantine, je pense qu'on était en 4e, il m'aidait à aller chercher le train. Son père me payait le billet de train pour aller à Pinjal où se trouvaient mes parents. Je perds en Richard un ami, un frère. Monsieur Timbaki s'en va aujourd'hui, un homme multidimensionnel, je dirais, en ce sens que sur le plan humain, c'était un homme qui avait du goût, un goût particulier, un goût spécial, raffiné, un homme intelligent et sage, et qui aimait toujours avoir pour lui le meilleur. Le plus élevé, le haut de gamme, la qualité. Et oui, deuxièmement, sur le plan de la foi, c'est un homme qui cherchait humblement à amasser les trésors d'en haut. Donc, il n'était pas intéressé par les biens d'une part le monde. Et c'est pour ça qu'il va manquer à ses enfants, à ses neveux, à toute la famille. Il a été pour nous un don de Dieu dans toutes ses réalisations. Il a été relevé, qu'il a été surtout un homme de foi. Et un homme qui a transmis autour de lui de la joie de vivre, mais de vivre dans le Seigneur. Nous perdons quelqu'un de valeureux dans notre paroisse, le centre charismatique de Nkakazok. Nous sommes venus lui rendre hommage et nous l'avons fait en célébrant cette Eucharistie pour le confier à la miséricorde de Dieu. Il a si bien vécu sur cette terre que Dieu lui accorde maintenant le don de la vie éternelle qu'il promet à ses fidèles serviteurs. Oh,
Shetimnus Deus in Sion, et dibire de turbotum in Jerusalem. Requiem eternam. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, rassemblés ici dans ce domicile ce soir, nous voulons une fois de plus solliciter la miséricorde de Dieu en faveur de notre frère, notre ami, notre époux, notre père, Richard, qui vient de nous quitter. Nous allons demander au Seigneur, qui se veut essentiellement le Dieu de miséricorde, d'avoir pitié de lui et de l'accueillir. Nous allons aussi confier les autres membres de sa famille en cette miséricorde de Dieu. Qu'il soit pour eux, désormais, un père, un grand-père, un époux, un consolateur, un réconfort. Nous voudrions aussi profiter de cette occasion pour crier vers Dieu, pour que les obsèques de Richard se déroulent dans de bonnes conditions, qui protège tous ceux qui vont voyager, aussi bien à l'aller qu'au retour. De tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ton serviteur Richard nous t'invite à te plier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre ce que tu sanctifies. Accorde à notre frère, notre époux,
notre père, notre ami Richard, le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-le totalement de ce qui le retient loin de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Fatigués pourront s'asseoir. Un homme était tombé malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie est celle qui versa du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Lazare, le malade, était son frère. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs cherchait à te lapider, tu retournes là-bas ? » Jésus répondit, « Ne fait-il pas jour pendant 12 heures ? Celui qui marche le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami s'est endormi. Mais je m'en vais le tirer de ce sommeil. » Pour nous tous ici rassemblés, particulièrement la veuve et les orphelins,
Que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, prions. Ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble, prions. Hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble, prions. Afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, ensemble, prions. Jésus, tu es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom. Écoute leurs supplications et daigne répondre à leurs appels. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Caresser permettre à Richard, notre frère, notre époux, notre père, notre ami, de parvenir à la table préparée dans ta maison. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, loué soit Jésus. La grande famille Timba est déjà très heureuse de vous savoir aussi nombreux depuis l'annonce
du départ auprès de Dieu, de notre Père. Et elle tient à exprimer sa reconnaissance envers vous pour toute cette compassion, pour toute cette marque d'affection qui vous a marqué durant toute cette période que nous traversons. Alors ce soir, nous avons entamé ce dernier virage par cette messe qui est arrivée à son terme pratiquement. Et déjà demain à partir de 10h, il y aura une levée de corps à la morgue de l'hôpital général de Douala. Le contexte étant celui que nous connaissons, nous souhaitons que les amis, vous qui êtes ses amis, ses frères, ses collègues, vous attendiez à la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Bounamoussadi. Vous savez très bien le contexte, il nous oblige, et les règles qui sont prescrites par l'institution hospitalière qui va nous accueillir demain à 10h sont telles que nous ne pouvons pas tous rentrer pour lever ce corps. Donc l'accès sera très réduit, et pour cela nous reviendrons ici à 11h pour cette messe à la paroisse, et puis après un détour sera fait à son domicile ici pour ce dernier honneur, et après nous irons pour le village Zorkon à partir de 14h où une messe sera dite également dans le cadre de la veillée qui sera tenue à partir de 20h. Et samedi, à partir de 10h, ce sera la messe d'illumination. Alors, comme il est d'usage, ce soir, nous n'aurons pas de témoignages. Les témoignages se feront exclusivement à Zorkon, le village natal de Richard Timba. Et donc, pour cela, tous ceux qui souhaitent lui rendre un dernier hommage voudront bien se rapprocher de moi pour se faire enregistrer. Je dis bien, tous ceux qui voudront lui rendre ce dernier hommage veuillent bien se rapprocher de moi pour se faire enregistrer. Merci. Allez dans la paix du Christ. Bonne veille à tous. Les œuvres sont belles.
rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec nous. Pour nous recommander une fois de plus, le Seigneur, à son Seigneur, à son Dieu, à notre Seigneur, à notre Dieu. Nous savons que c'est lui qui nous justifie. Nous savons qu'il veut prendre avec lui ce qu'il aime. Et nous continuons à lui dire merci pour la vie de Richard. Il s'en va, à lui les fleurs, à nous les larmes. Demandons à Dieu de le consoler. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, que tu as aimé Richard comme tu aimes chacun de nous et tu l'as envoyé, tu l'as créé. Béni sois-tu pour ce qu'il a été pour nous, pour ce qu'il est pour nous et pour surtout pour ce qu'il est pour toi. Seigneur, pardonne ses péchés, appelle-le dans ta maison. Ensemble nous prions. Celle avec qui il a partagé toute sa vie. Confions ses enfants, confions ses frères et soeurs, ses amis. Seigneur, en ce moment difficile, sois notre consolateur. Donne-nous toujours de croire que la mort n'a pas le dernier mot. Donne-nous de croire que ton Fils Jésus a vaincu la mort et que unis à lui, nous sommes aussi ressuscités. Ensemble, nous prions. Pour nous tous ici présents, nous qui accompagnons Richard, proches, amis, connaissances, que ces départs soient pour nous source de questionnement pour notre propre vie, sur le sens même de notre vie. Que le départ de Richard vers le Père soit pour nous un signe que le Seigneur nous envoie pour que chacun de nous puisse se préparer aussi pour son jour. Ensemble, nous prions. Avec Richard, nous avons prié. Car c'est à toi d'appartenir. Le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. C'est toi qui as donné la vie, c'est toi qui la redonnera à nos corps mortels. Tu n'es pas loin de ceux qui t'appellent, et tu appelles les pécheurs que nous sommes. Vois notre peine, entends notre prière pour l'âme de Richard Timba. Affranchi de la mort, qu'elle soit comblée de la douceur du paradis avec tous les saints. Nous te le demandons, Père, par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Frère, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et nous sommes de bonheur.
Thank you.
Montez-vous notre frère, notre ami, que tu viens d'appeler à toi. Quand il a le plus au milieu de nous, oui, tu as été son espérance, tu as été sa foi. Maintenant, reçois-le dans ta maison, à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras, et donne-lui le bonheur que rien que d'abord ne peut détruire. Nous te le demandons, Père, par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre frère, qui règne avec toi dans le but de Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le jour viendra où le Seigneur Dieu de l'univers préparera pour tous les peuples un festin sur sa montagne. Il enlèvera le voile de deuil qui enveloppait tous les peuples et le linceul qui couvrait les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. C'est lui qui l'a promis. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu. En lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Parole du Seigneur. Ici où il a cédé.
humainement les actions de grâce en lui suppliant de pour les siens, de qu'il a mis sur son chemin de vie. Son frère, l'abbé Michel du Seigneur, c'est une grâce. C'est une grâce pour les fils d'avoir donné comme héritage la foi. C'est aussi une grâce de pouvoir transmettre la foi au sien à sa progéniture. Et c'est déjà la souffert. Et dégagé de cette route, il connaisse les joies de la résurrection.
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La paroisse Notre-Dame d'Annonciation, paroisse Fanny, vous dit merci d'avoir accepté que ce corps de Richard s'arrête ici. Ce merci va particulièrement à Cécile Thiéva, qui aurait pu faire autrement, et ce serait toujours juste. Récompense ce que je voudrais dire. Nous garderons le même souvenir que la famille a de cette paroisse, de Richard. Lorsque je disais le témoignage de Charlotte à son frère, je me suis dit, voilà les témoignages qui ne sont pas que les mots. Oui, c'est Richard qui est dans sa famille. Un témoignage de foi, un héritage de foi pour nous en ces termes, c'est aussi ce qu'elle qui nous laisse. Tout à l'heure, le père l'a fait oublier. Il a rappelé très brièvement que Zina est l'un des fondateurs de cette paroisse. C'est Richard qui publiera la lettre à la chevêque de ce moment-là pour que notre centre eucharistique devienne paroisse. Et sa foi faisait qu'il était discret. Je pense aussi que je l'ai dit quelque part, c'est vrai. Parce qu'il aurait pu, pour ce fait, être un président du conseil paroissial, parce que c'est comme ça que les gens, le monde récompense les hommes. Mais pour des raisons purement stratégiques, Thiéva va céder cette place à un autre. Lui qui avait qualité, parce qu'il avait déjà dirigé les êtres humains dans, de par ses fonctions professionnelles. La paroisse retient donc un fondateur discret, un fondateur que seul les curés allaient chercher pour qu'il soit ou qu'il vienne continuer l'œuvre que lui-même avait fondée. Quand nous disons cela, nous pensons à un arbre qui est là à côté de notre centre de la jeunesse. Et là, je regarde et je vois des gens qui seront très malheureux parce que Richard était un fidèle de la messe de 9h. C'est plus que pendant ces obsèques, je dis que je vais comprendre d'où vient cette habitude du père Stoup après la messe. Ça, c'est le père Dieu qui nous le dira. Et donc, ce n'est pas ça qui nous le dit. Mais pour dire que Richard est resté fidèle dans ses habitudes, tant que ses habitudes n'allaient pas à l'encontre de sa foi. Donc, la paroisse Notre-Dame perd un pilier. La paroisse Notre-Dame perd des modèles comme dans moi, titre personnel, j'ai connu Thiéva à la Riche Fernand où il a été mon patron. Et ça, c'est pour ça que ce genre de témoignage doit se faire, parce que je ne savais pas où il est ici. Ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, reflétait sa foi. Et donc, quand je l'ai trouvé en Gagesse, j'ai dit, ah tiens, on comprend d'où il vient cette façon d'être. Arisha, la paroisse te dit, vas-y, l'année chance c'était que tu commences une nouvelle. Et moi je suis certain que maintenant que tu vois les choses à leur juste valeur, tu pourras mieux encore intercéder pour nous. Si tu intercèdes pour ta famille biologique, n'oublie pas la paroisse qui a aussi besoin de toi. Richard, que la paix est fière pour ton village. Tu aimais, en ce moment tu m'appelais Pupo, tu m'appelais Femme Pupo. Va. Que ceux qui m'ont accompagné tout à l'heure, peut-être que tu rejoindras après, que le voyage soit un bon voyage jusqu'au moment où tu arriveras face à face avec le Seigneur. Louez toi, Jésus. Amen. Nous sommes à ce moment-là, c'est Jason. Et tout à l'heure, nous allons jouer. Yeah.